Célébrons donc le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que je péché en pensée, en parole, par action, par la justice. Oui, je que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Amen. Lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens.
mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous ceux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Des Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : À quoi le règne de Dieu est-il comparable ? À quoi vais-je le comparer ? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé. Elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore, à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, Jésus profite de cette rencontre avec ses disciples pour essayer, par une pédagogie adaptée, faire comprendre ce que signifie véritablement la notion du royaume de Dieu. On a l'impression que la notion du royaume de Dieu est une notion christique. Christique, c'est-à-dire une notion apportée par l'avènement de la nouvelle alliance. Sauf que le royaume de Dieu, il existait déjà. Le royaume de Dieu, il était en marche, il était en action. Sauf que c'est les humains. Les humains, hommes, femmes, ben, qui ont certainement oublié ou négliger la présence de ce royaume. Et Jésus veut montrer de nouveau que ce royaume n'est pas loin. Et ce royaume, c'est la grâce de Dieu, le reflet de la grâce de Dieu. Et qui parle de la grâce de Dieu, parle de son avènement, parle de sa façon d'être avec chacun et chacune d'entre nous.
Eh bien, il dit, comment donc pourrais-je vous faire comprendre la notion du royaume de Dieu? Eh bien, il passe par cette comparaison qui est totalement physique, biophysique, si on peut le dire comme ça, et même environnementale. D'abord, donc, il parle de ce royaume qui ressemble à une graine de moutarde. Oui, une image du semeur, une image des agriculteurs, une image des paysans, mais une image de chacun et chacune d'entre vous qui aime bien la terre. La terre et ce qu'on enfouit dans la terre. Parce qu'on sait qu'en enfouissant une graine dans la terre, et si on en prend soin, au bout du compte, la graine, elle va apporter ses fruits. Si c'est des graines de fleurs, elle va nous apporter de très belles fleurs. Des fleurs qui vont apporter l'apaisement, qui vont apporter la sérénité, qui vont apporter la joie, qui vont apporter des étincelles qui nous mettent un petit peu dans un environnement de bien-être. Et si c'est une graine d'orge, par exemple, ou encore de maïs, eh bien, la graine, elle va produire, elle va se multiplier. Et le but de cette multiplication, c'est qu'elle puisse apporter ce qui est nécessaire à la nutrition des humains, des êtres vivants. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce divine, lorsqu'elle est scellée dans la vie de quelqu'un, qui que ce soit, lorsqu'elle est véritablement au cœur de notre vie, lorsque cette grâce de Dieu, lorsqu'elle s'arrive avec notre personnalité et qu'on se laisse transporter par cela, eh bien, notre vie, elle apporte des fruits. Des fruits tels que les fleurs, tels que les graines de maïs, comme la moutarde. Eh bien, notre vie, lorsqu'elle est levée par la grâce de Dieu, à l'image du levain qui est dans la pâte de cette femme, eh bien, la pâte permet tout à fait de gonfler, d'adopter un aspect de quelque chose qui est fructueux. Et notre vie, lorsqu'elle est aussi gonflée par la pâte de la grâce, par le levain de la grâce de Dieu, eh bien, nous apparaissons en un aspect de quelque chose qui apporte du bien. Et ce bien, nous l'avons à partager les uns avec les autres, selon l'approche de Saint Paul aux Éphésiens. Saint Paul donne l'image de l'homme et de la femme dans le mariage, ou l'image de l'homme et de la femme, ou l'image entre nous, l'amour. Et cet amour signifie qu'il faut mettre au cœur de nos relations la notion de prendre soin. Prendre soin, en anglais, on l'appelle le cœur. Le cœur, ça veut dire que porter son attention sur la moindre chose de la vie de l'autre. Et en latin, ça s'appelle cure. Raison pour laquelle vous avez le nom, la cure romaine ou la cure paroissiale. Ça veut dire que celui qui porte cette responsabilité, il est censé prendre soin des autres. Et donc chacun de nous, nous portons les germes du curé. Et le curé, ça veut dire qu'il faut que nous soyons capables de prendre soin des uns et des autres, sans distinction de différence de personnalité, mais juste que l'autre est un enfant de Dieu, que juste que l'autre a besoin qu'on puisse porter notre attention sur lui, qu'on puisse lui venir en aide, qu'on puisse lui apporter juste le peu qu'on a. Et ce peu qu'on a, c'est le fruit de la graine de la grâce de Dieu sémée dans le cœur et dans l'âme de chacun et de chacune d'entre nous. Cette grâce qui fait de nous des enfants de Dieu, cette grâce qui fait de nous de véritables disciples du Christ, et bien cette grâce de Dieu qui fait de chacun de nous des évangiles vivants, des porteurs de la joie, de la tendresse, les étendards de la lumière de l'Esprit Saint. Que la grâce divine, disposée pour chacun d'entre nous, à travers l'Eucharistie que nous allons prendre, permette à chacun, chaque femme, d'être véritablement le porteur de cet amour, la charité inconditionnelle, la charité dont la profondeur est insondable, et qu'il nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi, nous rappelons ta mort. Seigneur, ressuscite-nous.
prenant le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Norbert Thumény, son auxiliaire Alain, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde et de toutes les femmes, plus particulièrement celles pour qui nous t'offrons l'Eucharistie de ce jour. Madame Irène Delmos, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, par ta miséricorde, fais que Irène participe pleinement à la résurrection de ton Fils. Et nous pensons également aux défunts de nos familles. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nos douze enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Saint-Rosaire, Notre-Dame d'Espérance, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire par ton Fils et Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour que la charité gagne le cœur du monde, pour que la tendresse soit la lumière des uns et des autres, demandons cette grâce spéciale à notre Père, afin que notre monde, notre environnement de vie, soit plus agréable, soit plus beau à vivre. Et ensemble, avec confiance, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas donc nos faiblesses et nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivre de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Bien chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu,
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'année. Seigneur, je ne suis pas de vos secours, mais il est seulement qui va m'apporter. Juste un petit rappel, donc le samedi prochain, nous sommes toujours donc, au mois du rosaire.
le mois de Marie, et je pense que c'est le dernier samedi de ce temps fort. Nous avons la messe ici, en l'honneur de Marie, Notre-Dame du Rosaire, à 9h. Voilà, samedi, messe ici à 9h. Et le jeudi, ceux qui peuvent se rendre à Palamas, de 17h30 jusqu'à 18h, aura lieu l'adoration du Saint-Sacrement et en même temps des confessions pour l'occasion de la Toussaint. Le Seigneur soit avec vous. Et en même temps, nous serons en union de prière avec toute une nation et toute une communauté, la communauté des petites sœurs de l'Annonciation, dont je pense que le week-end prochain, c'est la célébration et la fête de béatification, c'est ça? Samedi. Sur Facebook. Donc, si vous avez la possibilité d'aller sur le site de la paroisse, je pense que Luisa, la sœur Luisa, a dû mettre le lien pour suivre la cérémonie de béatification. Et notre curé, il est déjà présent, il est dans les airs, dans l'avion, pour se rendre donc en Colombie. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en chacun de nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Bonne soirée à vous tous. Hello.